Le ski, ça commence toujours comme ça. Et après, si c'est pas assez serré celui-là, tu peux le resserrer. D'abord, s'équiper. D'accord. Et quand on n'a pas vraiment l'habitude, ça peut prendre un certain temps. C'est bon ? Très bien. Pourtant, ce sont des Savoyards et on a à peu près 30% d'enfants qui ne skient pas ou très peu. Donc, on peut habiter en Savoie. Voilà, on peut habiter en Savoie et ne pas faire de ski. C'est pour ça qu'on a décidé cette année de faire une classe neige. Grâce à l'association savoyarde des classes découvertes, 700 élèves partiront en classe neige cet hiver à Saint-François-Longchamp. Une vraie chance, puisqu'ils sont de moins en moins nombreux à fréquenter les pistes. Le ski alpin coûte cher, donc il faut trouver les financements au sein de l'école, gérer le transport, gérer les cours, le matériel et équiper des enfants qui ne le sont pas toujours. En tout cas, nous on le voit, ça coûte moins cher pour nous d'envoyer des enfants faire de la voile en Méditerranée que du ski alpin sur nos montagnes. Don't look your skis, look forward. Like that. Cette semaine, certains découvrent le ski, tous vont pratiquer l'anglais. You speak English? A little bit? You understood what I said? Okay. Don't worry. J'ai dit, est-ce que vous avez compris ce que j'avais dit? Bah yes, yes. Voilà. On va mélanger un peu le français et puis l'anglais. Et tout ce qu'ils ne comprennent pas en anglais, on le retraduira en français et puis on répétera jusqu'à ce qu'ils comprennent. And you look forward. Okay? And you keep this position. La semaine commence tout juste, ils ont encore le temps d'apprendre, sous le soleil et avec le sourire, une belle expérience, pour les parents d'élèves y compris. Ça rajoute un petit peu de piment, ouais. C'est sympa, c'est un bon support je trouve. J'ai un mauvais niveau en anglais donc ça me sert aussi à moi. Ouais.